Hey, y'a tout le monde, c'est super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau live. Nous sommes le vendredi 11 novembre, il est 14h46 et on se retrouve pour la suite de Disney Dreamlight Valley. Donc, on a passé le quatrième personnage niveau maximum. Là, nous en sommes un peu aux farms de la mission de ce matin. Où il fallait 200 argiles, 100 bois durs, beaucoup de minerais de fer, etc., etc. Mais là, je vais vous montrer. Enfin, je vais faire la mission de Scar, donc par rapport à la plante. Mais il y a un petit quelque chose que j'ai découvert et que j'aimerais beaucoup mettre au point. Enfin, voir si ça fonctionne. Alors. Donc, tout simplement. On va avoir besoin, donc ça sera pour la mission nature et soins. Alors, pour la mission nature et soins, bien entendu, on va aller à la station d'artisanat et nous aurons besoin de encore plus d'élixirs de croissance miraculeuse. Donc ça coûte relativement cher, mais voilà. Ensuite, on va directement se téléporter au puits aveux des plateau et nous allons aller nous diriger vers la gemme, donc la gemme de soins avec la petite plante. Et ce que nous allons devoir faire, bien entendu, alors j'ai vu ceci, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. On va utiliser, bien entendu, ajoute cet élixir à ton arrosoir et le moindre arrosage fera pousser les plants instantanément. Il y en a assez pour 25 utilisations. J'espère que ça va fonctionner. On verra bien. Et si ça fonctionne pas, bah j'aurais l'air un peu bête parce que ça n'a pas l'air de vouloir la faire vraiment pousser. Mais je regarde vite fait. Mais alors attendez. Ok. On va l'arroser, on verra bien si cela fonctionne. Mais j'ai pas la. Ah, j'ai pas la. L'impression que ça marche. Mais on va l'arroser comme ça. Et en vrai, si ça fonctionne pas, je comprends pas. Mais ouais, je sais pas, alors, on va quand même vérifier. Alors. Non, ça c'est celui-là que j'ai vu. Non, ça c'est fait.
Ouais, mais bon. Je veux bien, mais ça va la faire pousser au bout de combien de temps, ce truc? Parce que là, sinon, je suis complètement bloqué par rapport à ça, mais. Ouais. Donc là, en fait, je suis bloqué sur énormément de quêtes. Parce que bah, j'ai l'impression en fait que c'est pas possible de la passer. Ouais, bah ouais, bah c'est pas trop grave. Ce que nous allons faire tout simplement, c'est que on va apporter les péridots à Picsou. Déjà avant tout, je vais retourner là-bas pour continuer à obtenir mon argile. En vrai, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Ouais, je suis à 137 argile. Donc ouais, c'est aussi long pour celui-là. Donc. Si je peux même arriver à 150, je dirais pas non. Mais ouais, non, ça m'étonnerait que je puisse arriver à 150 argile. Ah ouais, il m'en manque 73. Problème, c'est qu'il me donne que des pièces le jeu et. Bah ouais, mais c'est pas fou de me donner que des pièces quoi. Normalement, les lingots de fer, ça sera terminé. Normalement, les lingots de fer, ça je l'ai terminé. Donc là, normalement, ça devrait le faire. Non, toujours pas de. Bah non, j'ai aucun argile depuis tout à l'heure. Tu rigoles, j'espère. J'ai pas eu le moindre argile. Ah, 140, 143, 144, 145, 148. Des fois, elle me donne pas le doublon, c'est un peu dommage. Putain, elle était niveau 5 hein, quand j'ai commencé la mission. Elle est niveau 9. Ah la vache. Hop, bon, au moins, il y en a 152. Je vais pouvoir passer un peu à d'autres missions. De rester bloqué sur celle-ci. Sinon, il faudrait que je passe aussi le bois dur. Donc, je vais donner les péridors à Picsou. Et je vais aller. Non, plutôt, je vais aller à la forêt. Je vais aller récupérer les bois durs ainsi que sur les hautes terres enneigées. Et au moins, bah, ça me permettra d'en gagner davantage. Parce que, ouais, aussi, sans bois dur, c'est pas non plus super facile et rapide à obtenir. Donc, là, je peux vous dire, ce matin, enfin, je l'ai arrêté, j'ai mangé. Ça fait 1 heure que je suis en train
de constamment farm. Donc je peux vous dire que c'est archi long cette mission. Donc si vous avez de l'argile, ne la revendez surtout pas. Alors, du bois dur. Je vais récupérer un peu de plantes comme ça. Là, c'est du bois sec, on s'en fout. Je vais juste casser. À chaque fois, j'ai toujours une gemme là-dedans. Ouais, voilà. À chaque fois, j'ai toujours une gemme dans celui-là. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est très bien. On va pas s'en plaindre. Là, c'est du bois sec. Du bois sec. On va ramasser les cerises. Là, c'est du bois souple, bois sec. Toc, 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 toc. Là, on a pas. Là-bas, il y a du bois. Non. C'est des fleurs. Quoi, j'ai trouvé pour le moment qu'un seul bois dur, bois souple. Voilà, je l'avais dit. Ok, donc deux bois souples encore une fois la suite. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma maison. Je vais poser les éléments qui ne me servent à rien. Je vais me refaire 2-3 recettes pour tout simplement avoir un peu d'énergie. Et voilà. Alors, voilà. Hop, je vais faire ça comme ça à chaque fois. Là, il n'y en a qu'un seul, donc en vrai, au lieu de le laisser tout seul. Voilà. Là, ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, on a un oignon. Voilà, ici, je peux le transférer là. Là, il y a encore un oignon qui est là, donc on peut le récupérer. Comme ça, je peux le mettre ici, voilà. Alors l'argile, non, c'est pas dans ce coffre-là qu'il est l'argile. Potentiellement être dans l'autre. Ici, je peux mettre la terre là. Okay. Voilà. Alors ici on a où? Ouais, l'argile il est là. J'ai mon téléphone qui augmente le son tout seul, intéressant. Alors là il y a un truc de terre tout seul. Donc voilà. Le bois dur, pire. Bois dur, bois souple. Clac. Tic tac tac là. Attends, j'ai quand même pas mal de lingots. C'est plutôt pas mal. Peut-être le mettre le coton. Peut-être mettre le coton là. Donc je vais me faire quelques plats pour dire d'avoir un petit peu d'énergie. Alors ce que je peux faire, c'est que je vais me faire un gâteau. Je vais peut-être même m'en faire deux. Je vais me faire deux gâteaux.
Voilà, je vais me faire 3 pains au thon, enfin, 3 burgers au thon. Tic tac 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 tac, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je vais faire pizza grecque aussi. Je vais m'en faire 5. Là, j'ai arrêté de compter, mais j'en ai fait 4. Et ouais. Enfin, je crois que c'est 4, j'en ai fait. Ouais, bah c'est bien. C'est bien comme ça. Cinq, 10, 12. Ouais, c'est bon. J'ai 12, 12 de nourriture. Je devrais tenir un petit peu. J'ai pas de. Ça, si je peux les mettre ensemble. Ça, c'est bon. Et bah vous voyez. Bon. Alors maintenant, on va aller voir Picsou pour la statue. Alors Picsou, où est-ce que tu es? Toujours dans ton magasin. Par contre, il y a du monde au restaurant. Ça, c'est très bien. Au moins, je pourrais faire la mission de servir des clients. Alors, qu'est-ce que nous avons? Risotto, poisson, salade de fruits de mer et une ratatouille. Alors, un risotto, poisson et salade de fruits de mer et une ratatouille. Alors, risotto, poisson. Un risotto poisson. Hop. Et un risotto. On a une salade de fruits de mer. Et une ratatouille. Salade de fruits de mer. Et on a une ratatouille. Une ratatouille. Bah voilà, on a toutes les recettes. C'est très bien. Mais hop. Des clients servis, des clients heureux et reviendront. Eh oui, mon ami. Bonsoir. Et bien si votre commande de la risotto pour madame. Ouh, bientôt niveau 9. Bien, 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 bien. Lui est niveau combien? Ah, il va passer niveau 10. Bah voilà, niveau 10 pour monsieur. Et c'est parti. Et voilà. Et hop. Nouvelle mission débloquée pour monsieur. Niveau 10. On est à 5. Alors on va juste aller en mission. Eh, pardon de te déranger. As-tu du temps pour m'aider? Bah, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? L'autre jour, j'ai exploré la hauteur glacée à la recherche de matériaux. Et mon traîneau s'est enfoncé profondément dans la neige. Maintenant, il est coincé dans la glace. J'ai tout essayé, mais je n'arrive pas. Tu penses que tu pourrais utiliser ta magie pour le débloquer? Je m'en occupe. Je leur ai dit merci. Et je vais te montrer où mon traîneau est Très gentil coincé. de ta part. Ok. Salut! Ta salade de fruits de mer, Mickey. Ok, donc toi t'es bientôt niveau 10 aussi. C'est très bien. On se revoit vite. Hop. Alors, je vais déjà aller voir. Bah voilà, Rémi il est là. Rémi, s'il te plaît. Oh, merci infiniment. Pendant que tu assurais mes commandes, j'organisais la cuisine. J'ai aiguisé les couteaux, organisé l'étagère à épices. Maintenant, je peux satisfaire les commandes assez rapidement et m'aider moi seul. Mais tu étais Félicitations. super. Oh, il est bientôt niveau 9, le 12. Bien, 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 bien.
Je vais aller voir un peu chez dans sa maison. Je crois pas que j'y suis allé souvent. Je sais pas ce qu'il y a dedans en vrai. Oh, propre. Beau gosse en vrai. Sympa, moi j'aime bien. J'aime bien la petite déco. Bref, on va aller voir Monsieur Picsou. Monsieur Picsou qui est dans son magasin. Amitié. Hop, hop. Voilà. On augmente tranquillement, mais sûrement. En plus, on a rattrapé. Enfin, on a rentabilisé les Dreamlights que nous avons utilisés pour l'arrosoir. Il brille encore. Picsou. T'es là-haut, donc on va aller te voir. Que dirais-tu Pif d'une paf paf, politique bien envers bonjour. Tiens, un cadeau. Salutations, voisin. Ça fait un plaisir de faire avec toi. Et voici ce que tu chargeais comme convenu. Merci. Un morceau de statue. D'accord. Dis Ariel que tu as trouvé tous les morceaux de statue. Ok. Alors, Ariel, où êtes-vous, chère demoiselle? Ariel, elle est dans... Elle est là-bas. Ariel, je crois qu'il faut des trucs que j'ai pas encore débloqués aussi. Elle est où? Oh, elle se téléporte aussi vite qu'elle n'apparaît. Hop, voilà, très bien. Ariel, bonjour. Que tu Voilà, sois non. là. Tu as tous les morceaux de statue d'Eric. Oh merci, maintenant nous pouvons la réparer. Une fois réparée, pourras-tu placer un endroit dans la plage enchantée où tout le monde la verra? Dès lors, je suis persuadé qu'ils se souviendront de lui. Quelqu'un de bienveillant. Attends, j'ai presque oublié. Tu vas avoir besoin de ce truc que Dingo m'a donné. Il appelait de la super glue. Et il a dit que ça permet de coller. Je pense que les humains l'utilisent pour se coiffer. Mais tu dois savoir tout ça. Ah là 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 là, j'espère que ce sera assez fort. Viens vite. La super glue. Ok, elle est par la statue, une station artisanat. Ok. Ah là là, sacré dingo. Hop. Et on va réparer le tout, la statue d'Eric. Statue de Eric, oh yeah. Place sa statue au pied du grand escalier de la plage enchantée. Ah, ça doit être celui-là. Il n'y a pas 36 escaliers, donc... Ramasse le souvenir. Et découvre ce qu'il renferme. Ouais. Donc c'est Ursula en fait qui l'a tout simplement mis en pierre. Voilà. Bonjour Ariel. J'ai une super idée de ce qu'on pourrait faire ensemble. T'as parié quelqu'un, le souvenir, le monde, hein, elle doit savoir quelque chose. Oh, je parie que oui. Ça m'inquiète. Comment allons-nous lui faire pour lui dire la vérité? Je vais m'en occuper. Je ne veux pas que tu sois en danger. Oh, mais j'ai pas peur du genre de tu as raison. Et elle ne me dira jamais la vérité. Elle ne partagera pas ses secrets avec n'importe qui. Il doit garder sa confiance. Et même son amitié, si tu veux. Fais attention, Ursula peut être dangereuse. Je vais attendre ton retour ici. Ok. Ariel. Ah, la vache. Ariel niveau 7. Comment je peux l'augmenter? Gâteau de mariage. Je vais voir comment on peut le faire le gâteau de mariage. Je vais voir ce qu'il faut pour le faire. En vrai, j'ai peut-être tous les ingrédients qu'il me faut. Des œufs, du blé, du beurre, canne à sucre, vanille. Ok. Ouais, je vais le faire. Je crois que je me suis téléporté un peu trop loin. Ouais, bah je vais faire le gâteau de mariage et je vais lui apporter
Comme ça, elle sera contente. Pas de nouvelles recettes? Non. Alors, hop, blé, beurre, canne à sucre, vanille. Alors. Blé, beurre, canne à sucre, vanille. Et clac. Et normalement, son gâteau de mariage. Oui, c'est good. Par contre, je vais me racheter du beurre. Je n'en ai plus. Donc, je vais m'en acheter 20. Pareil pour des œufs, je vais m'en prendre 10. Et pareil pour du lait. Voilà. Je vais aller déposer tout ça chez moi et je vais aller donner le gâteau de mariage à Ariel. Et en espérant qu'elle monte un petit peu plus son niveau. Je vais aller aussi farmer un petit peu des cailloux. Donc alors attends, là il me faut encore 6 lingots de fer. Normalement les lingots de fer, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai que ça comme lingot de fer? Ah, j'ai que ça comme fer? Ah, je croyais que j'en avais beaucoup plus, moi. Ok, bah non, en fait, non. Par contre, niveau. Ah, attends. Les algues, je les avais mis avec les poissons. Où est-ce que je les ai mis? Ouais, j'étais persuadé que j'avais davantage de trucs, mais non. Bah non, je me suis trompé. Ça, j'essaie de vider mon inventaire au maximum. Allez, hop, Ariel, on va lui donner son gâteau de mariage. Je vais repartir un peu dans les grottes pour ensuite. Alors, Ariel, elle est où? Problème, c'est que. En fait, elle va super vite à se déplacer. Regarde, je vais arriver, elle sera déjà plus là. Non, elle est là. Bonjour. T'as failli t'échapper. Voilà, au moins, elle est niveau 4. C'est pas mal, mais il en faudra un peu plus pour la faire passer. Ça va être un bon carnage, mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir. Je vais repartir ici pour un peu d'argile. Donc, je vais essayer. Je vais faire à chaque fois 4-5 lignes. Comme ça m'évitera de trop me lasser sur cette quête, même si elle est extrêmement longue. Bientôt niveau 36, on avance plutôt bien. Voilà. Je vais la faire à partir d'ici et après c'est parti. Et en espérant que j'obtienne ce qu'il faut. Hein. Mais pour le moment, 160, 161, 162. Bon. J'ai connu mieux pour le moment, mais si je peux m'arrêter après 4 lignes à 170, 180, je dirais pas non. Ok, toujours 162. Je vais. En fait, je crois, elle, je vais même la faire passer niveau 10. Je pense aujourd'hui, à force de creuser. Ouais, je vais faire 4 lignes à chaque fois. Après, je vais faire un peu de
de jardinage, cueillette avec certains personnages pour les augmenter. Bon, 168, c'est pas mal. Je vais utiliser. Je vais voir qui c'est que je vais utiliser. Pour la cueillette. Donc là, je vais cueillir toutes les fleurs, tous les trucs, les machins, tout ce que je vois, je vais les cueillir. Et au moins, ça va bien l'augmenter. Après, je ferai un peu d'extraction. Et après, on verra. On verra. Mais je pense que je ferai aussi côté jardinage. Et ensuite, on reprendra, on va faire un roulement et au fur et à mesure, je pense que des personnages débloqueront leur niveau. Parce que là, mes quêtes... Ouais. Vu que là, de toute façon, Christophe, lui, il est au niveau max, donc en vrai, je peux un peu... Je peux un peu laisser tourner sa quête. Même si je la fais pas maintenant, elle va pas s'envoler. Et je vais voir en termes de cueillette quel personnage est le plus élevé. Pour que je continue. Et là je vais vraiment tout cueillir. Tout ce que je vois, je le cueille. Alors, au niveau de la cueillette, on va aller voir personnage. Alors, Wally, il est niveau 7. Tac 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 tac. J'ai mis que Wally à la cueillette. Jardinage. Il est niveau 9. Je vais. Non, je vais prendre Mickey à la place. Alors, Mickey, Mocha Mouse, Mickey, il est au restaurant. C'est lui que je vais utiliser pour tout simplement. Pour l'augmenter au niveau 10. Donc là je vais cueillir, je vais essayer de cueillir le maximum de tout ce que je peux. J'espère que t'es pas en train de manger, Mickey. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour. Par contre, moi je vais manger. Parce que sinon, je n'ai plus d'énergie. Et j'ai vu que la pizza ne me rapporte pas énormément d'énergie. Le gâteau 2003. Allez, c'est parti Mickey, on va accueillir avec toi. Bon, c'est pas ça qui va te faire augmenter. Voilà. Il faut que je regarde par rapport à la cueillette. En récoltant les plantes et les fruits. Les plantes, c'est ça. Bon, ça a pas l'air de. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas les fleurs, c'est les plantes, quoi. C'est les plantes, c'est tous les trucs et tout. Voilà. On va récolter. Ouais, mais par contre, il y a des lacs sur le jeu. Je vais sauvegarder. On sait jamais. Que ça vienne un peu à lagouiller. Mais je comprends même pas pourquoi il y a des lacs comme ça. Alors que c'est pas censé se produire, mais bon. Oh, il m'énerve lui. Dis donc. Ok, on continue. Pif paf 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 pif paf paf. Donne-moi tout ça, mon ami Mickey. Là, il n'y a pas de plan. Là, il y a des pommes. On récupère les pommes. Des framboises. Ah,
J'ai cru qu'il en avait récupéré, mais non. Ok, donc là normalement sur la plage il devrait y avoir aussi pas mal de trucs. Banane, coco. Là j'ai oublié un bananier. Hop, voilà. En vrai, tout ce que je récolte, je vais les garder. Hein. C'est de la nourriture, ça se garde toujours. Les tortues, par contre, je ne sais pas ce qu'elles mangent. Donc, je vais éviter de faire des dingueries. Hop. Des murs. Des cocos. Hop. Des bananes. Des murs. Alors, hop, vas-y, donne-moi les doubles. Voilà. Qu'est-ce que nous avons par ici? Par ici, nous avons ça. Je crois qu'on a aussi quelques champlars à droite à gauche. Ok. On a encore des champlars ici. Ah, je sais pas si avec lui ça fonctionne. Ok, donc ouais, ça a l'air de fonctionner avec lui aussi. Ok, je le savais pas. Bah, je viens d'apprendre un truc. Alors, est-ce que là il y a des plans ou pas? Là, il n'y a rien. Là-bas, on a un citelonnier qu'on va aller rechercher. Voilà. Là, il y a des champlars encore. Ça m'a l'air d'être bon par ici. On va monter au niveau des terres arides. Voilà, il y a 2-3 trucs encore en plus à récolter. Hop, vanille en plus, là aussi. Là, au niveau de la fleur. Oh, bon, ça pousse toujours pas. Choc, 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 choc. Là, on a ça récupéré. Voilà. Paf, on récupère ceci. Normalement, sur cette zone, ça doit être clear. Ensuite, on décale gentiment. Là, on a fait ici, on a fait la plage. On va gentiment se décaler par ici, comme ça, on va redescendre. Et en même temps, au passage, je peux récupérer mon bois et tout le tatouin qu'il y a ici. Alors attends, est-ce qu'il y a encore la fameuse pierre ici? Ah bah non. Elle n'y est pas tout le temps. Ok, bon. J'aurais pensé qu'elle y serait. Peut-être ici, non? Non plus. Bon, elle n'est pas tout le temps là. Hein. Je reviens après. Je reviens après. Je suis à toi juste après. Laisse-moi le temps de faire ma cueillette, etc., etc. Et j'arrive après à toi. Ok, donc il est quasi, enfin, il est quasi, il a du mal à augmenter, mais bon.
Bah, j'ai trouvé pas mal de trucs. Là, il y a encore des murs. Donc, je vais les récupérer. Et voilà. Bon, je vais retourner dans ma maison. Et je vais poser tout ça et on va continuer la mission de Christophe. J'ai récupéré pas mal de choses. Et je vais pas le cacher. Donc en vrai, j'aurais cru qu'au début c'était des fleurs. Donc j'ai récupéré des fleurs. Je me suis dit ça ne marche pas. Donc ça n'est pas des fleurs qu'il faut récupérer. Donc vraiment, je savais pas. Il y a un poème. Voilà. On a récupéré aussi des graines. Voilà. Alors, maintenant on n'a plus qu'à tout poser. Alors, ça, des bananes. Ah, des cocos, il y en a trop. Ah oui, c'est en paquet de 50. L'appareil, il y en aura trop. Là, en ce qui concerne ici, il y a les citrons. Là, c'est bon. Là, on a ça qui est là. Non, c'est bon pour ce cas. C'est quand même pour l'agrandir. 20 000. Alors attends. Hop. Je vais essayer de voir si je peux pas caser le blé avec d'autres blés. Si là je peux. Ok, bah je vais le mettre là et pour l'origan, attends, là il y a du blé là. Ah ouais, mais je peux pas tout caser non plus. Blé, riz. Le coton, je vais le mettre là-bas comme ça. Alors là, on a de la terre. Ici, pour ça. Le coton, je l'avais mis avec les Ouais, le coton, je l'ai mis avec les fleurs. Et voilà. Bon, on est plutôt bien. On va rejoindre à présent pour son traîneau qui est là-haut. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec son fameux traîneau. Il est où, Christophe, là? Ah, ok. Ah, c'était tout bête. Bon. Il est où, Christophe? De toute façon, il va revenir. Il va couper par là. Par quel côté? Voilà ton traîneau rouillant.
Merci. Ok, on va acheter un défi devrait être utilisé intitulé Accident de glace, comment réparer votre traîneau. Ah, je sens, il va falloir des ingrédients. Ah, je sens, il va falloir de la neige, il va falloir du fer. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je le dis, hein. Mais il va falloir des lingots de fer. Je sais pas, en fait, je le sens. Je le sens gros comme une maison. Je le sens, en fait, hein. Il va falloir des lingots de fer. Ah non. Ah si. Si. Ouais. Ah oui, et du bois dur en plus. Putain, en plus, j'en ai besoin pour. Oh là là. Ah la vache, putain, 30 bois durs, oh lolo. Bah c'est pas grave, on va refarmer du bois dur. Pièces de bricolage. Putain, et en plus ça demande des lingots de fer en plus. Ok. Des fibres, je sais pas combien il en fallait. D'accord, bon, ben, on va prendre quelqu'un pour la pêche. Bah, Merlin, où es-tu? Merlin, t'es chez toi. Merlin, tu es chez toi et j'ai besoin de toi. Tu es vers ta maison et je vais te demander de venir avec moi, nous allons pêcher. Voilà, que ça te plaise ou non, tant pis. Mais j'ai besoin de toi pour pêcher. Oh, pêcher des fibres. Oh, te voilà. Allez. Tu viens avec moi, mon ami. Hop, pack. Je vais déjà aller voir sur le bateau de Vaiana. Il y a peut-être des algues en vrai. Y a pas grand-chose. Bon, bah, Merlin, t'as compris ce qu'on allait faire. On va pêcher. Voilà. Si tu l'avais pas compris, maintenant tu le comprends. On va pêcher. Alors je vais essayer de te faire passer niveau 10. J'ai bien dit essayer. Allez. Oh, encore un algue. Par contre, il m'a pas beaucoup aidé, Merlin. À part danser. Il faut que tu m'aides, Merlin. Je peux pas tout faire tout seul, Merlin, sinon. Putain, enfin. Normalement, je devrais en avoir assez. Mais je vais essayer d'arriver à 10, en vrai. Il a pas l'air de très décidé à m'aider.
C'est pas trop grave, attraper les fruits de mer. Je sais pas si c'est compté comme ça, les fruits de mer. Ah non, c'est les crustacés et tout, ok. Ah bon, on va attraper des fruits de mer, c'est parti. Et de deux. Et de trois. Wow. Et en plus, il m'en donne deux. Ben, est-ce que ça me le compte comme deux ou pas? Non, ça compte comme un. Prends une photo, vendre deux poissons, récolte. Je vends deux poissons, donc et puis on va en vendre deux. Et voilà. Que veux-tu que je lise de plus à part et voilà. Comment ça va? Je ne peux pas dire. Non, je vais pas acheter, je vais te vendre. On va vendre deux poissons. On va t'en vendre un comme ça. Et un comme ça. Voilà. Et moi, je vais aller faire mes fibres. J'ai oublié le nom à reprendre, j'espère que j'en ai assez. 5, 10, 15 ans. Normalement, ça devrait être bon. Il m'en faut que 5. Ouais, voilà. Je parle de traînement une station artisanat. Ok. Heureusement que j'espère que j'aurai toujours assez de lingots de fer. Ouais, tant pis. Alors attends, là il y a un truc léger. Tant que t'es avec moi, Merlin, j'en profite un peu pour pêcher. Un poisson chat, c'est très bien. Donc je commence à pu avoir beaucoup d'énergie. Et un autre poisson que je me souviens plus du nom. Alors Christophe, où est-ce que tu te caches? Me dis pas que t'es encore là-haut. Putain, il est encore au restaurant. Et il y a toujours autant de monde au restaurant. Il faudrait que j'aille rechecker juste après avec je crois que c'est Anna ou Elsa pour aller des sushis. Putain, il veut des sushis. Tu sais que c'est pas le moment de manger des sushis, monsieur. Bon, on va te faire tes sushis, c'est pas grave. Tes sushis, Menpeg, R. Tes sushis. T'as du bol que j'ai la recette pour faire tes sushis, monsieur. Tu seras débrouillé. Allez, hop. On va te faire à manger. Salut. Hop, tu le prends. De toute façon, il est niveau max, mais bon. La réparation, j'utilise un infini, amusant. J'adorais matériel infini que tu utilises, mon sand. C'est très gentil de ta Attends, part. attends. Quoi? Ça veut dire que je peux acheter des trucs? Non. Non. Fibre, brique, verre, lingot de fer. Fibre. De la brique? Comment je fais de la brique, moi? Fibre, brique, verre, lingot de fer. De la brique. Comment je suis censé faire de la brique, moi? Ah bah comme ça. Ah mais ça me pompe mon argile.
Bon, au moins ça m'évitera de farmer les lingots de fer. Au moins ça m'évitera de les farmer, quoi. Salut. Waouh, ils feront de belles nouveautés sur mon stand, tu sais, après. Je voudrais te donner mon ancien traîneau en guise de remerciement pour avoir parlé. Et tu as sauvé mon traîneau, tu as aidé à lancer une nouvelle activité. À présent, je peux vendre mes matériaux raffinés dans mon stand, j'apprécie ton aide. Et tu auras toujours le droit des réductions. Et si je peux faire quoi que ce soit, dis-le moi. Et le niveau 36, bibi. Bien joué. Alors, qu'est-ce suivant? Oh, mais je croyais qu'ils vendaient. Attends. Bah, ok, je croyais qu'ils vendaient des trucs, mais non. Bon, bah, des lingots de fer. Argile. Putain, le bois dur, par contre. Ce que je vais faire, alors j'ai besoin, je vais prendre Moï, où est-ce qu'il est, pour la grotte. Ah putain, le bois dur déjà c'est une tannée pour en avoir, mais alors en plus si Je suis le premier demi-dieu que tu rencontres. Allez hop, tu vas... On va aller faire un tour. Les quêtes que j'ai à faire. Ouais, bah pour le moment je suis un peu bloqué. Niveau 10. Progresse avec Merlin. Merlin, faut que je le monte niveau 10. Ok, allez, viens avec moi. On va aller déjà farmer un peu de. On va aller déjà poser tout ça chez moi. Hein, et après on va aller farmer un peu tous les cailloux. Et voilà, et je pense qu'après on va faire tout ça. Et vers 16h, petite pause s'impose, direction le goûter. Alors ce que je veux faire en vrai... Alors attends. Je vais m'ajouter une pièce en 3x3, modifier, et ça va être réserve. Mais comment je modifie le nom? Attends. Voilà, ok. C'est par où? Comment je fais pour y accéder? Ah, ok. Alors, donc, tout simplement, je vais devoir bouger mon meuble lorsqu'il me gêne. Donc, au pire des cas. Je vais mettre le meuble. Je vais le mettre là. Ah ouais, mais là, la chaise va me gêner. Au pire, je vais le mettre là. Voilà. Et ce que je vais faire. Est-ce que je peux entreposer mes coffres ou pas? Je peux pas les entreposer. Comment on... enfin, je sais que je peux récupérer certains objets, alors attends. Ouais, je peux pas le retirer. Ah ouais, il est pas vide. Bon. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est pas grave, hein. Je vais mettre déjà tous mes poissons là-bas. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre,
Je vais mettre tous mes fruits d'un côté, tous mes légumes de l'autre. Ça c'est compté comme un fruit. On peut faire une exception pour ça. Ensuite, pour lui. Un fruit. Fruit. Voilà. Là, il n'y en a pas. Voilà. 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 Oh, attends, j'ai oublié ça. Comme ça, je vais tout mettre au même endroit. Voilà, 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 voilà. Là, c'est bon. Alors, ensuite. Ah, canne à sucre. Ah, j'en ai oublié. Canne à sucre, c'est compté comme un fruit pour moi. Alors là, je vais mettre ça là pour le reste. Ok, ouais, ça fait masse bazar, mais au moins ça va être un peu ordonné. Je sais pas pourquoi j'ai des fibreuses sur moi. Ah ouais, waouh, un vrai stand. Hop, comme ça je peux récupérer mes coffres. On va aller voir un petit peu la pièce par ici. On va aller voir un peu l'état de la pièce. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Alors niveau papier peint. Moi je partirais bien sur ça. Pour le sol en vrai pour le sol je partirais pour ça. Niveau de la porte. Peut-être des fenêtres, non. Alors, espace de stockage par contre. On va commencer à les placer. Alors ici, donc ici ça va être tout ce qui est fruits. Ouais.
commence à récupérer un peu tout ça. Pour le moment, mon inventaire, il doit pas être plein. Non, ça va. Ok, donc tous les fruits, je peux les ramasser. Voilà. Alors, hop. Donc, je vais déjà placer les fruits en gros par cagette. Ça va être ici. Pareil pour ceux qui sont en boîte. Voilà. Là, ça va être tout ce qui est les fruits sur la plage. Donc, ça va être coco. Ça va être les bananes. La canne à sucre aussi. Et après, le reste, ça ira dans ce coffre-là. Donc, tout ce qui est ça pour les pommes. Pareil pour le citron. Ainsi que ça. Voilà. Je vais créer d'autres coffres. Alors, là, on a quoi ? On a tout le bazar ici. Il va me falloir. Je vais créer 3 autres coffres. On verra bien ensuite. Non, je peux pas faire 3 coffres. Je peux en faire que 2. Bah, je vais faire 2 autres coffres. Voilà. Là, on a les graines. Donc, en vrai, les graines, je les mettrai. Je les déplacerai là-bas. Là, c'est toute la nourriture. En vrai, pour la nourriture, au lieu de la stack, autant que je la mange, quoi. Au fur et à mesure. Ça, c'est ce que je mange en priorité. Cette nourriture là, ça sera à manger en priorité. Parce que c'est celle qui me rapporte le moins d'énergie. Et donc je me vois pas la garder. Ensuite, niveau des cailloux. Pourquoi il y a des fleurs ici? Je sais pas. Donc les fleurs, hop. Pareil pour le bois. J'ai plus de place pour des cailloux. Argile, j'ai plus de place. Ok. Là, les coffres, ils sont vides. Les 3 là. Je peux donc les récupérer. Ah, je peux pas? Ah oui, non, ok, oui, il est pas vide encore totalement. Tout. Alors là, on a les coffres. On a les coffres exprès. Là, ce que je peux mettre, c'est pour les matériaux. Ici, ça sera pour les matériaux. Alors, en vrai, ça va être tout ce qui est diamant, tout ce qui va être le fer, l'or et je vais même y mettre ça. Voilà. Ensuite, pour le deuxième coffre, on va y caser et la terre ainsi que les pierres. Pour lui, on va mettre le bois. Je peux même mettre les galets dans celui-là.
boule de neige. Et je vais faire même un quatrième coffre. Attends, déjà je vais aller récupérer tout ce qu'il y a là-bas avant. Hop, là on récupère tous mes poissons. Poissons, crustacés et tout y conti, on connaît la chanson. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié plein de trucs là. J'ai même pas mis les légumes, j'ai fait que les fruits, mais j'ai pas fait les légumes encore. Bon. Là, ici, il n'y a rien. Là, la pierre avec l'argile. Je peux même mettre ça avec ça. Parce que là, il y a quoi dans celui-là? Là, c'est le bois, donc en vrai, hop. Je vais mettre la commode en plein milieu. Voilà. Là pour dire que c'est la pièce pour la nourriture. Je mets le bol de fruits. On va mettre le tapis, voilà. Pour les coffres, alors, donc, là, on va passer ici pour les coffres. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes poissons. Est-ce que j'ai pas de quatrième cave de livres de l'autre côté? Non, 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 non. Ouais, ok. Je vais mettre tous mes poissons dans un coffre. On va le mettre ici. Avec les crustacés, coquillages et tout. Et ensuite, on va récupérer tout ça. Hop, on récupère tout ça. Et là, on va essayer de les placer donc, dans un ordre logique. Donc les aliments qu'on récupère au sol. Les aliments... je vais essayer de les placer dans un... récupérer 2 1 0 alors donc là au pire ça va être poivron, tomate, je peux mettre le piment, je vais essayer de voir, on va mettre salade. Pour jeter concon. Je vais mettre ça ensemble.
peux mettre ça avec. Hop. Alors je regarde. Hop. Là, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre aussi les champlars avec eux. Voilà. Après le reste, on le met là. Voilà, comme ça c'est un peu mieux organisé. Il y a les fruits, il y a les légumes et il y a tout le reste. Et là, bah, tous les plats, je vais les récupérer pour bien entendu les manger. Et ensuite, on va partir à la recherche de nos différents trucs. Donc tout ce qui est lingots de fer, argile, etc. 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 Et je vais vendre ce qui ne me sert à rien. Et on va déjà partir donc pour le charbon. Donc je vais casser le maximum de trucs et tout que je peux. Donc façon niveau nourriture, normalement je devrais pas trop en manquer. C'est vrai que je trouve quand même pas mal de charbon à droite à gauche. Ce serait plutôt efficace. Je vais aller voir où en est ma plante aussi là-bas. Donc déjà je vais casser ça. Ouais, je me prends aussi d'y répondre. Du charbon. Okay, j'ai 3 charbons pour le moment. On va aller voir au niveau de la plante là-bas. Là, qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce qu'elle pousse? Est-ce qu'elle ne pousse pas? Ouais, ça a pas l'air de. Elle a pas l'air de beaucoup pousser, madame la plante là-bas. Elle a pas l'air de trop se décider à vouloir montrer le bout de son pif. Bon, pas trop grave. Est-ce qu'il va le passer son niveau 8 ou pas? Est-ce qu'il va vouloir le passer? Enfin, son niveau 9, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je vais faire une petite pause. Donc, je vais revenir. Enfin, je vais revenir. Je vais revenir dans quelques minutes. Donc, le temps d'aller prendre une petite collation et voilà. Allez, bisous tout le monde.
Ok, bon. Alors, on va reprendre où nous en étions arrêtés. On est arrêté ici. Oh! On trouve déjà de l'emerald. Oh, ah non, du saphir. Bon, c'est pas du brillant, mais c'est du saphir quand même. Ok. Là, il y en a un là-bas. Au moins, lui, ça peut l'augmenter un petit peu jusqu'au niveau 9. Oh, un rubis. C'est moche, il me l'a pas doublé. Ok, on continue. Alors, on va obtenir quoi? Rien du tout. Ok, on continue. Direction la ligne à droite. Clac, clac. Bah il est où le collègue là? Hein? Mais... what? Mais il était où lui? What the fuck? Ouais, je sais pas où il était passé, mais il était passé. Oh, oh, peu cher, j'ai plus d'énergie. Voilà, oh, un saphir. Il va me doubler. Ouais, ça c'est bien. Oh, pic, pop, pif, pof, 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 pif, pof. Ok, bon, on va aller voir un petit peu la plante dehors, après je vais faire l'argile, mais pas sûr qu'elle ait poussé. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle pousse, on va attendre un petit peu en vrai. Ok, lui il va pas. Lui son niveau 9 je pense il le passe d'ici peu. À mon avis son niveau 9 il le passe. Voilà. Sorry. Et après on atteindra le niveau 10. Donne-moi la citrine, voilà. Alors là, il n'y en a plus. On va aller en direction des hautes terres glacées pour récupérer tout ce qui est le bois, etc., etc., etc. Bon, moi, les petits potes, ça va être la fin du live. Donc oui, c'est court, je sais.
Mais je viens d'avoir un appel assez. Un message plutôt important. Donc voilà. Donc, je vous dis à très vite.